J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, de très très belles lectures. Et pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne BookTube pour une nouvelle vidéo. On est en plein mois d'août. Il fait lourd et il fait peut-être chaud au moment où vous regardez cette vidéo. Donc est-ce qu'une petite glace ça vous dit? Puisque je vous emmène avec le livre dont je vais vous parler aujourd'hui dans un stand de glace un petit peu particulier. Ce livre c'est Stay Sweet de Siobhan Vivian, paru en français sous le titre Un été givré aux éditions Michel Lafon. On y va? C'est parti! Alors dans Stay Sweet, on va suivre le personnage d'Amelia qui pour le 4e été consécutif va travailler à Meat Creamery, qui est un stand de glace vraiment particulier, non seulement puisque les glaces sont faites maison, elles ont un goût très particulier, très spécial, qu'on ne va retrouver dans aucun autre stand de glacier. Et si elles sont uniques comme elles le sont, c'est entre autres puisque depuis 1945 à peu près, les glaces sont faites maison par la propriétaire du stand de glace qui s'appelle Molly Mead, et elle a toujours gardé un petit peu secrète les recettes. On sait pas exactement ce qui compose ces glaces. On a chocolat, vanille, fraise ou home sweet home, et c'est celle-ci, ce dernier parfum qui reste un mystère complet. C'est un goût très difficile à décrire, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, et le stand de glace est géré depuis toutes ces années, il est passé de décennie en décennie uniquement par des filles. Molly travaille à la confection des glaces, elle amène les glaces sur le stand pour les filles qui les vendent, et c'est un peu les filles qui gèrent le stand. Chaque année, l'une des filles qui est là depuis 3 ans déjà va se voir promue head girl, c'est-à-dire qu'elle va devenir un petit peu manager, c'est elle qui va être chargée de recruter l'année d'après les nouveaux pour que, ainsi de suite, petit à petit, eh bien, y ait une transmission qui se fasse en fait avec les filles. C'est une ambiance de travail vraiment bon enfant. Amelia est vraiment passionnée par ce stand de glace. Pour elle, c'est vraiment plus qu'un job d'été, d'autant plus qu'elle travaille là depuis maintenant 4 étés consécutifs aux côtés de sa meilleure amie Kate. C'est un bonheur, c'est un régal dans tous les sens du terme. Les gens viennent de loin, les touristes viennent aussi entre autres pour les glaces de Molly Mead. Et cette année est un petit peu particulière pour Amelia puisque l'année prochaine, elle et sa meilleure amie Kate vont se retrouver séparées, elles vont entrer à l'université, donc c'est un petit peu le moyen pour elle de marquer le coup, de profiter à fond de ce dernier été ensemble au stand de glace. Et Amelia a été promue l'année précédente head girl, donc c'est elle qui va être manager cette année. Une pression mais un honneur en même temps. Elle arrive un peu avant son premier jour de travail pour tout installer, tout préparer pour cet été si particulier. Elle va pas franchement être comme les autres puisque elle va découvrir assez rapidement en entrant dans le stand de glace que Molly Mead, qui a maintenant plus de 80 ans, est décédée. Et on va apprendre très rapidement que ce stand de glace va être repris par son petit neveu Grady. Et c'est un garçon. Donc ça va poser quelques petits soucis puisque il y a toujours eu que des filles à travailler sur ce stand de glace, et ça depuis sa création dans les années 1940. C'est un peu une tradition, donc ça vient bouleverser tout ça, et Grady est prêt à faire bousculer un petit peu les choses. Ce stand qui n'a pas bougé depuis les années 1940, il a envie de moderniser un petit peu le truc, et ça va pas forcément plaire à tout le monde. Je vous en dis pas plus pour le résumé. C'est une lecture parfaite pour l'été. C'est une lecture gourmande à souhait. Une lecture qui va vous donner envie de manger des glaces. En plus, avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, voilà, ce livre, il est plein de gourmandise. J'avais qu'une envie, c'était me servir une belle coupe de Home Sweet Home. Mais malheureusement, c'est un parfum complètement fictif et qui n'existe que dans cet univers-là. Alors, j'ai passé un bon moment, mais on est vraiment, vraiment loin du coup de cœur. Ça pas été une lecture mémorable. Je veux dire que c'est ce genre de lecture estivale, voilà, divertissante, mais que je vais pas forcément garder des mois et des mois à l'esprit. On va commencer par le côté positif de cette lecture. Comme je disais, c'est une lecture qui sent bon le soleil. On est dans un petit village en bord de lac, plein été, il fait chaud, il fait beau, on est dans l'univers des glaces, la lecture estival par excellence. J'ai beaucoup aimé cet univers du stand de glace, que ce soit tout le processus de création des glaces, toute la confection des glaces. On découvre que c'est pas si simple que ça, qu'il y a plein de choses à respecter, des températures, mettre les ingrédients dans un ordre bien précis, avec des dosages bien précis. C'était vraiment intéressant. Mais ce que j'ai aimé surtout dans ce livre, c'est le fait que ce stand de glace, il existe depuis les années 1940. Il est passé de décennie en décennie sans jamais changé, avec toujours les mêmes traditions
et avec toujours la même personne à la confection des glaces. Et j'ai trouvé que c'était beau et c'est une chose qui me touche toujours beaucoup, les entreprises, les commerces comme ça qui se passent de décennie en décennie, de génération en génération. Et là c'était vraiment très bien amené à travers le personnage de Molly, qui est un personnage qu'on apprend à découvrir petit à petit, notamment à travers certains passages de son journal intime qui sont disséminés au fil des pages. Et waouh, il y a toute une histoire qui tourne autour de stand de glace, qui serait que Molly a perdu son fiancé à la guerre et pour soigner son cœur brisé, et ben s'est mis à faire des glaces. Et avec ses amis, elles sont restées très soudées grâce à ce stand de glace et c'est ce qui lui a permis un petit peu de surmonter sa peine. C'est l'histoire, en tous les cas, le mythe de la création de ce stand de glace que tout le monde connaît, les gens du village, les touristes. Voilà, c'est une histoire qui se raconte chaque été au stand. Et en découvrant le journal intime, on en apprend plus à la fois sur Molly, sur cette fameuse histoire et sur la création de ce stand de glace. Et ça, j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment les passages que j'ai préférés, ces passages dans le passé. On ressent vraiment une ambiance particulière et on ressent surtout une passion de la part de Molly pour ce qu'elle fait. Et cette passion, on va la découvrir aussi chez Amélia, qui petit à petit, au fil de l'été, va découvrir ce qu'elle aime, va découvrir ce qu'elle a envie de faire. Et ça, c'était vraiment génial. C'était vraiment l'aspect que j'ai préféré dans cette lecture. Et Molly est un personnage vraiment très attachant et la manière dont on la découvre, j'ai trouvé que c'était assez original, que ça changeait un petit peu. Ça, c'était chouette. Et la fin, notamment concernant cette fameuse histoire de Molly, toutes les révélations qu'on peut avoir. J'ai été surprise sur certains points, j'ai trouvé que c'était bien amené et ça a fait battre mon petit cœur. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le genre de fin, le genre de révélation. Voilà, le mélange passé, présent, ça j'aime beaucoup en général et là ça a complètement fonctionné avec moi. Mais malheureusement, eh bien, pour les points positifs, je pense qu'on va s'arrêter là. On va maintenant passer aux choses que j'ai un peu moins aimées parce que c'est comme ça, ça arrive. Déjà, le début du livre, j'ai trouvé que c'était extrêmement mou, que ça manquait d'action, que ça manquait de rebondissement, et je pense que c'est en grande partie dû au personnage d'Amélia, notre personnage principal, qui manque de peps. Voilà, il lui manque quelque chose, elle manque énormément de confiance en elle, mais en soi, ça aurait pu ne pas être un souci. Mais je sais pas, elle est molle, elle prend jamais vraiment de décision. Si je vous disais ce que j'aimais à travers ce personnage-là, c'est son évolution, c'est qu'elle va découvrir ce qu'elle aime, c'est qu'elle va découvrir ce qu'elle a envie de faire de sa vie, et ça c'était beau, ça c'était bien amené. Mais il lui manquait un truc, voilà, il manquait un truc à Amélia et ce qui m'a énormément dérangée dans cette lecture, je pense que c'est sa relation avec sa meilleure amie Kate. Kate c'est un personnage que je n'ai pas du tout apprécié et on sent dès le début que Kate pour Amélia c'est tout. Sa meilleure amie c'est toute sa vie. Elle la met sur un piédestal, sa meilleure amie c'est la meilleure, c'est elle qui mériterait d'être head girl. Elle sait pas pourquoi elle a eu cette promotion, elle comprend absolument pas, elle pense qu'il y a une erreur, que c'est Kate qui aurait dû avoir ce poste. Voilà, Kate, tout le temps Kate. Et Kate, personnellement, voilà, j'ai trouvé qu'elle était pas très cool, j'ai pas du tout aimé ce personnage, j'ai pas aimé sa mentalité, j'ai pas aimé sa manière de se comporter. Et voilà, cette amitié, il y avait quelque chose qui me dérangeait dedans et comme je vous le disais, Amélia a beaucoup de mal à prendre des décisions et à chaque fois qu'elle doit prendre une décision sur un truc ou sur un autre, elle demande à Kate qu'est-ce que Kate ferait. Voilà, elle idolâtre vraiment sa meilleure amie et voilà, ça avait quelque chose d'un petit peu dérangeant, j'ai trouvé. Donc cette amitié, j'ai pas adhéré plus que ça. Non seulement, comme je vous le disais, elle cherche toujours sa validation, mais elle se compare sans cesse à elle, donc elle se dévalorise. Et voilà, je vais pas en parler plus longtemps. Il y a quelque chose que personnellement, j'ai trouvé assez bancal et assez dérangeant là-dedans. Et autour de cette amitié et des relations que Amélia, Kate peuvent avoir aussi avec les autres filles du stand, il va y avoir beaucoup de dramas, mais des dramas adolescents par moment, je trouvais que c'était un peu too much. Après, faut mettre les choses dans leur contexte, c'est des adolescentes, c'est de la littérature YA aussi, donc voilà, je peux mettre les choses un petit peu de côté, mais pour ma part, eh ben, je suis restée totalement hermétique à ces petits dramas, ces petites histoires d'amitié. Il y a une petite romance qui va s'installer doucement, j'ai trouvé qu'elle s'installait bien, en tous les cas. Le personnage de Grady, je l'ai beaucoup aimé, mais malheureusement pour moi, il n'était pas du tout assez développé. On va parler de relations compliquées entre un père et son fils, mais le sujet va être seulement effleuré, on va pas rentrer en profondeur. Et ça c'est vraiment dommage. En soi il y a beaucoup de choses qui sont abordées mais qui restent vraiment trop en surface. Il y a des petites choses en plus de ça qui je pense sont pas forcément toujours crédibles. Voilà, c'est que des petits détails, mais des petits détails qui mis ensemble bout à bout font que c'est pas un coup de cœur bien évidemment. Même si j'ai passé un bon moment de lecture, même si je regrette absolument pas d'avoir lu ce livre. Et si vous voulez une lecture estivale détente en anglais, si vous n'avez pas l'habitude de lire en VO, je pense que je peux vous la recommander parce qu'elle est quand même très fluide. C'est vraiment du vocabulaire courant, du vocabulaire de tous les jours. Je pense que ça
ça peut le faire pour commencer en VO. Et bien voilà, c'en est terminé pour cette vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, et bien je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne BookTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.